Le trafic aura été particulièrement perturbé ce mardi dans certains quartiers de Paris, notamment près de la porte Maillot. En cause, la manifestation des taxis, toujours très remontée contre les véhicules avec chauffeur. Ils estiment que ces VTC constituent une concurrence déloyale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour permettre la circulation sur le périphérique. Bilan fourni par la préfecture de police, au moins 24 interpellations. Un manifestant a également été blessé. On est là pour une requête, on est dans la légitimité. On a fait une demande de grève à la porte Maillot, à Roissy et à Orly. Donc aujourd'hui, on est ici légitimement, tout simplement. C'est pour ça que je dis aux gens de garder le calme pour l'instant. Des rassemblements étaient organisés aux abords des aéroports parisiens ainsi que dans plusieurs villes de province. Face au mécontentement des taxis, le Premier ministre a proposé d'ouvrir une concertation avec les représentants de la profession. Dans la soirée, le préfet de police de Paris a demandé aux manifestants de se disperser.